Diane du Moyen Âge. Évidemment. Hola, Pio. Enfin, c'est évident. Sly Guy. Vous êtes complètement au con pour ne pas s'en apercevoir. Bon alors, le grand match que vous attendez, Romano, Cédric, tout à l'heure, le clash de la drague, vous avez déjà vos méthodes, Cédric, Romano. C'est bon, moi j'ai une méthode, rapport avec le film Taxi. Pas mal, ouais. Méthode actu, méthode taxi, c'est bien Cédric. Et moi avec un site porno. Un site porno, pas mal. Tu veux que j'aille faire un tour sur la tablette de Romano? Vas-y si tu peux, ouais. Alors, vas-y, prends-la. Donne-moi ta tablette, Romano, que je vois un petit peu si, tu as regardé des films porno. Mais moi je participe pas à tes appels. Hein. Est-ce qu'il a regardé des films porno? Moi je veux pas te donner ma tablette pour que tu fasses ton clash, hein. T'as qu'à arriver avec ton matériel. Je la donne pas à Cédric, je la garde juste pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le site porno pour Cédric et pour Romano, Taxi 5 pour le clash de la drague. Qui séduira, qui sera le meilleur, on verra ça. Romano et Cédric, c'est notre Champions League à nous. Et là, on a du lourd. Presque 100 kilos d'un côté, presque 70 kilos de l'autre. Eh bien c'est parti, on y va pour le clash. Deux beaux cochons. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Moi je suis une truie. C'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs. Alors un petit cochon et une grosse truie. Voilà, et le petit cochon il va faire quoi, la grosse truie? Il va rien faire du tout, il va te baiser j'espère. Rien du tout. Il va te baiser au clash. Bon, le clash, c'est parti. Le clash, Romano, Cédric, deux méthodes. Cédric, méthode du site porno. C'est ça, ouais, j'ai maté un film sur un site porno. Ils ont tapé des positions bizarres et tout. J'aimerais bien faire la même chose avec la famille, tu vois. C'est ta méthode pour draguer. On va tester ça tout de suite avec le premier coup de fil. Allô. Oui, allô. Ouais, bonsoir, comment ça va? C'est qui? C'est Stéphane, là, au téléphone. Ouais, c'est qui? Ouais, c'est Michel. Tu m'entends? Ouais, Michel qui? Bah, Michel, on se connaît pas très bien. Enfin, je croise ta femme de temps en temps, mais toi, je t'ai jamais eu au téléphone. Je t'appelle, là, parce que t'es là. J'étais sur un site porno, là. Je regardais un petit film. Et je trouvais qu'il faisait des positions un petit peu bizarres que j'avais jamais faites. Tu vois, donc. Attends, je voulais venir à la maison et essayer ça avec ta femme. Ouais, ben viens essayer avec ma femme, ouais. Tu vois, parce que la meuf, franchement, elle tapait des positions, c'était bizarre, quoi. Ah ouais? J'avais jamais vu ça, tu vois. Tu vois, regarde. Est-ce que je fais, c'est que je viens avec ma petite tablette, je remettrai ça chez toi, et après, j'essaie de refaire la même chose avec ta femme. Ouais, ok, ouais, pas de problème. Et si tu veux, on pourrait essayer de faire ça ensemble après. Pas de problème. Parce qu'à un moment, il y a un mec dans le film. Ouais, mais pas de problème. Bon, bah génial, prépare ton anus, j'arrive dans 5 minutes. Bah écoute, je t'attends. Eh, j'espère que ta femme, elle est chaude ce soir. Ah, elle est pas là, dommage. Bah écoute, on va commencer tous les deux. Ouais, pas de soucis. Ok, mon chéri. Oui, ma poulette. A tout de suite, mon petit Stéphane, bisous. Ma poulette. Et voilà un serrage. Et un serrage. Franchement, beau gosse là. Je sens un niveau de Champions League. Alors, ta méthode, Romano, c'est quoi ta méthode? C'est la méthode, je suis pote avec le réalisateur de Taxi, m'a prêté le véhicule pour ce soir là. Vroom, vroom. Eh ouais. Et je vais faire un petit tour et puis bon, on fera l'amour dedans tranquille. Une envie de baiser dans la voiture, Romano. Allô? Oui, c'est la femme de Laurent? Oui. Oui, bonsoir, est-ce que je pourrais lui parler? Oui, bah ça commence à bien faire là, vos conneries. Hein. Bah oui, mais il faudrait que je lui parle, moi, sérieusement là. Ouais, bah non. Ah bah si, il y a urgence parce que j'arrive avec la voiture là. Oh là là, vas-y, mais pourquoi moi elle dit ça là? Est-ce qu'on prend un rappel? Non. Pas de rappel, on passe au deuxième. Tu rappelles, man? Olivier. C'est bon, ça m'a déjà. Tu sais qu'en un tour, ça m'a déjà gavé. Je t'ai dit cash. Cédric, c'est donc. À ton tour, man. L'amateur de films porno. C'est ça. C'est ça. Mais il a pris ta tablette, Romano. Ouais, en plus. T'as vu? Demande des votes pour ça. J'ai pas de tablette. Déjà, à la base, ça devait pas être utilisé, donc. Ça va. C'est ma tablette. Ouais, mais t'es grave, hein, t'es égoïste. C'est à moi. Vous êtes sur la messagerie. Exactement, Marie. C'est la mienne. C'est ma tablette à moi. Sa tablette, elle est à lui. On essaye donc un deuxième tour tout de suite, Cédric. On rappelle une nouvelle famille, puisque la première n'a pas répondu. Attention, deuxième tour. Le pornographe, Cédric. C'est ça, ouais. C'est ça. Bon, moi, j'ai déjà un service. Veuillez consulter le service des renseignements. Hop là, mais décidément on est déjà au 3. Penalty pour le Real Madrid. La tête de ma mère, gros. C'est la 92e. Allô. Allô. On est chez qui? Marc. Allô, bonsoir, est-ce que Marc est là s'il vous plaît? Bon, c'est une blague ou quoi là? Non, c'est pas une blague, je voulais parler avec Marc. Ah bon, vous voulez parler avec Marc? Il a quel âge, Marc? Il a quel âge. Carton rouge pour Buffon. Allô. Aïe. Attends, excuse-moi, c'est la télé qui s'est mise en marche. Je t'appelais parce qu'en fait. Tu m'entends? Ouais, je vous entends très bien, ouais. Non, je t'explique un peu ce qui m'arrive aujourd'hui, là. Tu sais, j'étais sur un site porno, là. Je tombais par erreur sur un site porno. J'ai vu un film, il y avait des trucs un peu bizarres dedans. Tu sais, il tapait des positions cheloues. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et du coup, je venais faire ça avec toi ce soir. C'est quoi votre problème, là? Je voulais faire l'amour à ta femme. Y a rien. Marc? Marco?
En effet, Samy, tu l'as dit. Allô, Marc. Il y a rien. Il y a rien. Ils sont fait voler. Là. Mais Marc. Ah non, je crois que tu parlais du clash. Ah non, oui, j'écoute même pas ça. Ah mais ouais, mais ils sont pas faciles les deux. Mais ouais, mais ça parle pendant mon appel, normal. Comme mais il y a eu un truc de fou. Mais le Belge, c'est. Allô. C'est la Champions League. Ah, était l'humain rouge à bouffer. Terrible. Bon, le clash. Sauve le mec. C'est reparti. Alors, on était dans le clash. Cédric, t'as passé deux coups de fil. Ouais. Et donc Romano, c'est ton deuxième tour. Exactement. C'est à moi de reprendre la main. Moi, j'ai un bête de serrage. Et c'est à toi de reprendre la main. C'est parti. Romano revient avec sa méthode taxi 5. D'ailleurs, si vous passez à l'antenne, vous gagnez la voiture. Allez. T'as une voiture. T'aimerais avoir la voiture de taxi. Allô. C'est pas super discret. Allô. Freddy. Oui. C'est Freddy. Ouais. Ouais. Comment tu vas? Ça va. Ça va, ça va. C'est Jean-Louis à l'appareil là. T'as entendu parler du film Taxi? Jean-Louis. Ouais. Le film Taxi, tu connais? Non. Non. Tu sais le film avec le taxi, la voiture là. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Parce que là, la voiture, vu que le réalisateur, c'est un copain à moi, il m'a prêté pour la soirée, là. Eh, par contre, vous avez vu l'heure qu'il est? Bah attends, je vais t'emmener faire un tour de voiture, ah, ma non, chérie. Mais on a un enfant. Bah, donc, par contre, vous appelez pas sur le chez les gens, ok? Bah ça te dirait pas que je t'en fasse un deuxième dans le taxi? Ça, c'est une bonne idée. Ah ouais, mais bah, non, apparemment pas. Je vais prendre un rappel. J'aime toujours ces petites propositions. Attention, il prend un rappel. Ouais. On tente, allez. Allez, on tente le rappel. Mais t'as raison, hein. D'ailleurs, la dame était comme un chien de garde, vous savez, c'est jeté. Ouais, elle a pris le téléphone. C'est jeté sur le téléphone, mais comme une chienne de garde. Ah, ce mec était plutôt cool, t'as vu. C'est vrai. Alors, on prend un rappel. Plutôt cool, mais complètement déconnecté de la vie, quand même. C'est bien. Il a eu 5 gars. Découvrir le cinéma. Moi, je connais rien au cinéma, mais tu vois, taxi, c'est. Allô? Allô, ça avait coupé la ligne, là. Freddy? Freddy? C'est quoi? Ta femme. Non mais par contre vous allez finir ça quand? Bah le problème c'est que moi je vais arriver dans 5 minutes là, je voulais te faire. Alors, non mais si, moi si, je vais aller à la gendarmerie. Bah voilà, bah écoute. Et on va trouver votre numéro. Le mieux c'est que. Non, c'est ça que ça foutre. Ouais. T'appelles quelqu'un d'autre là, sérieux? Non mais là je vais venir. Mais je. Bah tu vas péter un câble. Ouais, j'ai pété un câble. Mais t'as que ça à foutre. T'as que ça qu'à foutre. T'as que ça à foutre. Et on a un enfant, d'accord? Ah, bah, bravo, allez, viens. Pas peur, là. Bah, attends, moi, je t'en fais un deuxième, hein, gratos. Ouais, la gendarmerie. Et hop. Allez, hop. Parce que Freddy. T'as le mec, il a pas accès au téléphone. Non, quoi. C'est dingue, hein. Bon, ou pas? Ouais, mais nous, on a un enfant. Non, mais t'as pas, il a plus de rappel, ça y est, c'est fini, là. C'est vrai. Non, mais vas-y. Ah, mais Samy, raccroche. C'est le délire, toi, quoi. Un rappel une fois. C'est le délire, c'est le clash de la drague, poteau. On demande Freddy, par contre. Ah, voilà. Ah, mais lui, il a pas accès au téléphone. Elle bug, là. Mais c'est quoi ce rappel, là, en plus, là? Il y a pas de rappel. Mais de toute façon, ça sonne. Allez. En plus, ça ne décrochera même pas, c'est vrai que. Commence pas à crier. Allô, Freddy? Freddy? Bon, maintenant, il faut passer le téléphone à Freddy, hein, j'en ai marre. Allô? Allô chérie, bah écoute, je viens te chercher avec ta voiture, comme ça je t'emmène à la gendarmerie. Bah oui, c'est bien ça. Et puis sur le chemin, on fait l'amour, tu vois, tranquille. Voilà, tranquille. Ça va peut-être te détendre un peu. Et pas sûr. C'est pas sûr. Il va bien falloir que je fasse l'amour. Ah bah, il va falloir y aller comme un ouf là, Romano, je te le dis, il va falloir sortir tous tes attributs. Ah bah ouais, bah putain, va être déçu, parce que moi les attributs, c'est pas non plus. Est-ce que t'as que ça qu'à foutre? J'ai que ça qu'à foutre et je suis pas loin de péter un câble. Tu pètes un câble et t'as que ça qu'à foutre. On y va pour le troisième tour. Allez. Allez, c'est reparti. Troisième tour pour le clash de la drague. Chez Jean-Pierre. Jean-Pierre, alias JP, plus connu sous le nom de JP. Allô? Allô, Jean-Pierre? Oh, très belle musique. Allô, Jean-Pierre? Oui. Oui, je t'entends mal avec la musique derrière, là. Tu m'entends? Oui. Oui, dis-moi, je t'appelle, là, parce que tout à l'heure, là, je regardais un film X, là, sur un site porno. Ah bon, marron? Ouais, ouais, je suis tombé dessus par hasard, hein. Tu sais, j'étais sur Internet, je suis tombé dessus. Oui. Et j'ai vu un truc que j'avais jamais vu avec une meuf, et je voulais faire ça ce soir avec la tienne. Mais c'est qui, là, pareil? C'est Michel, j'habite pas très loin de chez toi, on se connaît pas encore. Bon, allez, au revoir. Non, mais je veux venir à la maison, là. Au revoir. Jean-Pierre, laisse-moi venir à la maison. Eh, hey, Jean-Pierre! Est-ce que je le rappelle? Est-ce qu'il y a un autre tour? Oui, il y aura un autre tour. Bah oui, parce qu'on a interrompu le clash, moi pas non plus. Il y aura un autre tour. Vas-y, rappelle-le. Tu le rappelles quand même? Ouais. Il prend son. De toute façon, j'ai deux rappels, donc je rappelle un là. Pourquoi t'as deux rappels? Parce qu'il a eu deux rappels, lui. Mais non. Bah si, si. Ah si, si, on a rappelé deux fois. Allô? Ouais, Jean-Pierre, ça a coupé, je voulais venir à la maison. Oui, salut! Là, j'arrive tout de suite, hein. Oh. Ah, hey, je vais avec ma tablette, comme ça je te montre le film et après on essaie de refaire la même chose. Oh. Ok, Jean-Pierre? JP? Lui nous fait toujours une sortie sympa. Là, la sortie c'était. Oh. Bon, merci JP pour cette, voilà, pour cette démonstration. On passe au troisième tour de Romano et vous pourrez voter. Merci déjà pour Eric. Tous les messages d'encouragement.
pour... vas-y Romano, venge de la Juve. Allez, allez Cédric. Merci, merci. Ça c'est les messages qui défilent pour l'instant. Romano, c'est Tatim qui, est avec toi. Merci. Tu veux un message de Mistone pour toi Cédric? Non, ça va aller. D'accord. Allô Eric. Allô. Allô, c'est la femme d'Eric? Oui. Oui, est-ce que je pourrais lui parler s'il vous plaît? Bah, il dort. Ah, il dort? Parce qu'en fait, là, je vais arriver à la maison, là. Allô? Ah, mais non, il dort pas, je l'entends derrière, coquine. Mais oui, il est là. Oh, quelle est vilaine de mentir. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Allez, dépêche-toi, là. Il faut se moucher dans le téléphone. Allô? Je te dis, il y a des trucs qui traînent. Moi, j'ai pas, j'ai le nez qui coule. Oui, vous devez vous tromper, là. Mais non, 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 mais il faut que je lui parle absolument. Parce que là, j'arrive avec la voiture du film Taxi, là. Eh oui. Là, belle musique. Là, il n'y a pas d'enfant qui dort. Non, 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 mais là, parce que quand t'es à gauche chez eux, tu ne peux pas dormir. Quand il y a une belle musique d'ambiance. Ah, jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de nappe musicale, un truc abominable. Ah ouais, horrible. Et attention, c'est maintenant que tout se joue, le dernier tour du clash. Allez, vas-y. On y va. Dominique. Dominique. Je crois que Dominique, je vais déjà, il y a Nick dedans, donc tu parles avec un avantage. Là, ah, ouais. Dominique. Allô. Et Cédric. Allô, allô, allô. Ouais, bonsoir, c'est Dominique. Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Bah, ça va, mais. Bah, j'ai eu quelqu'un tout à l'heure, c'est toi? Ah non, c'était pas moi, mais là, je peux venir à la maison si tu veux. Tu veux que je vienne te faire un petit câlin, Dominique? Bah, écoute, je ne comprends pas. Bah, je t'explique, en fait, tout à l'heure, là, j'étais sur internet, là, je regardais un truc. Tout d'un coup, il y a un film porno qui est apparu sur mon ordinateur. J'ai regardé le truc, ça m'a un petit peu excité. Oui. Et je t'avouais qu'il faisait des positions que j'avais jamais vues. J'aimerais bien essayer de faire ça ce soir avec toi et ta femme. Non, mais tu rigoles, là. Tu veux que j'appelle la police, là? Bah, non, on va les laisser chez eux. Je viens chez toi, alors on te fait l'amour et après on verra avec la police. Ouais, bah, oui, tu... Allez, au revoir. Tu es, Dominique. C'est soirée police, oui. Dominique. Non, mais je l'ai dit, dès 21h, je sentais la soirée police. La gendarmerie, le coup d'avant. La police maintenant. La police avec Taxi 5. Les Belges et les Canadiens tout à l'heure, la police. De la police de partout. Et de la police de partout. Et la police pour toi, Cédric aussi. Vas-y, bravo. Rappelle-le. Bravo. Pourquoi tu prends un rappel? Bah, parce que j'ai mon deuxième rappel. Bienvenue sur la boîte vocale. Bon, bah voilà, le deuxième. Ah là là, il a mal fait le numéro. Vas-y, fais refaire le numéro, Samy. Mais t'es vraiment une salope, Samy. Toujours en train de se plaindre. Ah, mais le mec, quand c'est pour les autres, là, le mec, il rappelle 10 fois. Mais tu l'as, là, ton type. On te rappelle, vas-y. Il est là. Il a pas répondu. Mais il avait répondu avant là. Tu me prends pour un con toi. Tu vois, à la limite, on a fait deux rappels là. Ah ouais. Non. Bah si. Ouais. Parce qu'il avait répondu avant. Donné un, moi sans doute. Hein. Mais n'importe quoi. Sinon, je vais crier. Ah. Oula. Je vais crier très fort. Ah putain, Dominique. Voilà. Bon, alors on passe à Romano, dernier c'est coup bien de fil. C'est bien l'appel de gueuler, tiens. C'est le dernier coup de fil du clash, après ça vote. Allez, préparez-vous. Ça vote juste après, dernier coup avec la méthode Taxi, Taxi 5. C'est ça. Vroom, vroom. On est quand même tombé sur des gens qui ne savaient pas ce que c'était Taxi, le film. Non, je sais, tu vois, ça m'inquiète un peu, moi. Ouais, ouais. Tu te dis que ta méthode était trop en avance. Ouais, mais pourtant, il faut que je sois la méthode de la soupe aux choux. Ouais, bah peut-être. La grande vadrouille. La méthode de la grande vadrouille. Je suis mobile. Fais les bronzer, sinon. Là, t'es dans le pour eux, t'es peut-être dans le turfu. Taxi pour eux. Bah, il est passé un bloc deux fois à la télé. Il y en a eu quatre déjà. Ouais, tu vois, c'est pas le truc qui vient d'arriver. Là, c'est le cinquième qui vient de sortir. Donc, oui, c'est vrai, il y en a déjà eu quatre. Et ben, les familles découvrent. Les familles Black Panther, elles les découvriront dans 20 ans. Ah. Oui, c'est vrai. Black Panther, dans 20 ans, ça va être le. Non, c'est pas encore. J'ai encore. Il fait tout nouveau. Ouais, qui sortit en 2018. Rappelle-toi, il y avait 60 ans. C'est un truc de fou. Bon, alors, nom de Dieu, de bordel de merde. Bon, alors, ça répond là, qu'est-ce qui se passe? On appelle qui? Appelle-le Eric. Eric. Allez, c'est parti chez Zone Eric. J'espère qu'il va répondre, Eric. Bah, moi aussi. J'espère que c'est pas un supporter italien qui est en train de déprimer ce soir. Ah, c'est bonjour, possible. Vous êtes sur la messagerie du 03 22. 22. Non, mais on va arrêter le numéro là. Voilà. Et attention. C'est reparti, mon kiki. Vas-y, chez Guillaume. C'est Guigui. C'est Guigui. Allez, Guigui. Allez, Guigui. Allô, Guigui. Allô, allô. Ouais, Guillaume. C'est qui? C'est Jean-Louis, là, 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 pareil, un copain de ta femme. D'y voir, j'ai un bon plan, là. Je suis copain avec le mec qui a fait Taxi, tu sais, le film, et j'ai la voiture, là. Et je voulais emmener ta femme faire un tour. Mm-hmm. Ouais, elle est marrante, ta blague. Comment? Elle est marrante, ta blague. Bah, je peux arriver dans 5 minutes. Surtout que je suis même pas marié. Ah bah voilà, bah écoute, je t'emmène faire un tour dans le taxi et je t'encule. Bon, écoute, ton rappel supplémentaire, tu le prends ou pas? Ah ouais, c'est vrai, vu que j'ai été grugé.
une fois de plus, pour qu'il n'y ait pas de, pour qu'il y ait pas de protestation. Non, mais déjà, il m'a fait chier Romano vendredi avec son histoire de rappel. Mais il a eu 10 rappels, ce con. Maintenant, je fais attention. Le vendredi, ah non, il a eu 10 appels de plus. Ah que non, mais pas vendredi, non. Allô ? Ouais. Bon, bah, je viens. Oh, mais ta gueule, en fait, dégage. Ouais, bah, allez, je viens. Et alors, tu disais que vendredi, il y avait eu 10 rappels. Non, mais là, l'autre, il exagère pas du tout, tu sais. Mais il n'y a pas eu 10 rappels vendredi. Mais t'es fou, t'as pris des rappels à toute patate. Bah, vendredi. Déjà, t'en as vu un qui était pas normal. Donc, mais toi, t'as des combien qui sont pas normaux alors dans ce cas-là? Mais dans une équipe de pas normaux, c'est normal. Voilà, c'est ça. Oui. Eh bien, attention, top vote pour le clash. Je vous lis quelques messages et après, vous faites vos déclarations. Attention, attention. Alors, ça doit venir de Marseille. Romano Le Sang. Oh, Le Sang. Ah, Romano Le Sang. Allez, message de Girafe, 14 ans. Je vote pour Romano. Président. Non, mais c'est pas des. Non, mais pas, non. Puis en plus, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. T'aimerais pas être président à la place de Macron? Ah non, mais tu jacques tes merdes. C'est vrai, tu passes une vie de merde. Regarde, en ce moment. Mais tu prends quand même le vote. Ah oui, les facs sont bloqués. Oui. Les cheminots sont en grève. Oui. Il y a Air France qui est en grève. Ouais, aussi, ouais. Oui. Ils sont en train d'évacuer une ZAD. C'est vrai. C'est un bordel. Il y a des galères. Le mec, les dossiers qu'il a à gérer, c'est une dit. En Syrie, bon, il va falloir faire quelque chose à un moment donné, là. Oui, c'est vrai. Donc, il y a ça aussi. Tu vois, le mec, c'est que des problèmes, en fait. Donc, c'est il préfère être roi du clash. Ah ouais. Ah ouais. Bon, Romano président, je transforme en Romano roi du clash, c'est ouais, brillé, c'est bien. Votez Romano, j'ai besoin de vous ce soir, mes amours. Oui. Je vote pour Cédric Montbelge. Merci, c'est merci. Le message. Une méthode de totalement dans l'actu, taxi, boum, boum. Peut-être trop dans l'actu d'ailleurs. En tout cas, pour les familles, c'est clair. Skyrim, je vote pour Romano l'empereur, céleste du clash. Bon, les votes, on les a lancés à 22h52. Ah oui, déjà 22h54. On vous laisse, allez. C'est sur la chaîne Sly Guy. Bah attends, lundi c'est Cédric qui a gagné, vendredi c'est qui? C'est moi. C'est toi vendredi? Ouais, ouais. Vendredi c'était toi aussi. Bah ouais. Mercredi dernier c'était qui? C'est moi. T'as gagné 3 clashs à la suite? Ouais, 3 clashs à la suite, et lundi d'avant c'était lui. Ah oui, lundi d'avant c'était toi Romano, et vendredi moi, d'avant vais, c'était toi. J'y vais tranquille. Non, vendredi d'avant c'était pas lui. J'y vais tranquille en ce mois d'avril. Tranquille en mois d'avril. Romano, tu régresses. Alors le résultat du clash, je vois. Ah mais t'as vu les familles qu'on me passe. Oh, qu'est-ce que. Bah non, mais j'ai le droit, non? Ils appellent la Bourgogne, c'est pour ça. Ah bah non, justement, je préférais. Vas-y, je vais donner les numéros. Les résultats du clash de ce soir, Cédric contre Romano d'un côté, ouais. Le pornographe Cédric de l'autre. C'est ça, ouais. Le pote de taxi. Bon, le problème, c'est qu'on est tombé sur des familles qui ne savaient pas ce que c'était taxi. Ah ouais, putain, bon, je pensais quand même. Facile. C'est plus connu que ça. Le gagnant du clash de ce soir. Alors est... Pff, allez, c'est l'autre gros con. Qui c'est? L'autre pute. T'as la sensation que ça fait quand t'es, tu sais que tu vas perdre? T'as commencé relou. Romano, tu gagnes le clash. Ouais, c'est ça. Impossible. Ouais. Pourquoi impossible? Parce que je le sais. C'est impossible, il a rien fait. T'imagines, tu gagnes le clash par 99% des voix. Ouais, c'est ça, allez. Non, non, mais impossible. Bon, les résultats. Bah, t'as vu? T'as vu? Ouais, il a vu. Il fait sa gueule de con. Bon, ça fait plaisir. Les résultats du clash, les voici, les voilà. 60-40. Ah, oui. Pour Cédric, qui gagne un nouveau clash ce soir. Putain, mais que t'arrive-t-il, Cédric? Non, mais là, en plus, c'est un beau score, tu vois. C'est pas des petits scores, tu vois. Oh, émotion, vous l'entendez, il est ému, vous avez entendu, ça fait c'est pas des 51, ouais. Là, c'est des 60. Oh, je suis mou. Ah ouais, ça fait plaisir. Écoute, bouge-toi le cul, par contre. Cédric, il va prendre la place de Zach, là, ça y est, il est chaud. Oh, ouais, je suis chaud. Ah, franchement, je vous remercie, c'est un kiff. Je relâche la pression. Bah ouais, relâche bien, on entend bien la relâche. Oh, j'avais énormément de pression. Oh. Ouais. Non mais ça fait plaisir, en tout cas merci ma team, je vous aime très très fort. Une victoire de plus ce soir. Mais merci quand même à la team Romano. Je vous aime très très fort. A priori on est de moins en moins nombreux, mais je pense que je vais faire une campagne de publicité massive. Non mais dis que tu as fait comme le Barça hier, tu. Non, mais. Moment de faiblesse. Bah là, le moment il commence à durer là. Ça arrive. Bah oui, mais j'espère que ça va s'arrêter pour toi vendredi. Vendredi, prochain clash de la drague. Oh non, putain, ce serait bon. Vendredi, t'as peur de perdre? Non, de gagner. T'as peur de gagner? Franchement, si je gagnais 3 de la semaine. T'as peur de gagner maintenant? Ah mais sérieux, j'aimerais bien avoir des bonnes familles un jour. Ce serait bien que tu travailles dessus. Alors on va bosser. Faut bosser d'ici vendredi, Cédric. C'est quoi s'il avait gagné? Je te jure qu'il aurait jamais, dit ça. Ah non, mais si. Bien sûr que si. Mais... Moi je suis honnête. Je suis pas toi t'es honnête toi. Okay, ah bah je suis certainement plus honnête que toi. Ouais. Certainement. Romano aime la qualité, c'est ça. Exactement, oui. La qualité, c'est ça. Bon, j'ai une petite question.